Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver plutôt, oui, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons l'Allemagne. Alors, objectif de cet épisode, là je vois, Ah oui, objectif de cet épisode, remonter le solde. Essayer de gérer nos problèmes internes comment ça s'appelle? De politique, là, voilà, de politique interne. Ce serait pas trop mal au moins de cet épisode ou des quelques prochains. Et puis aussi continuer d'annexer les petits pays. On a une sécession kazakh. Je sais même pas où ils sont les états. Ah ok, ouais, ici. Bon bah on ira taper sur eux là, apparemment aussi qui sont en train de faire une sécession. Faites donc. Ça n'est pas mon problème. On a des troupes qui sont prêtes à vous taper sur la tronche. Sinon, la grande paix avec la gare. Bon, ils sont encore. Ils sont perdus, les Anglais, quoi. C'est pas vrai. Oh là là, les Anglais, je sais pas comment ils font. Ils sont nuls. Vas-y, là, commence à dégrader nos relations mutuelles. Oui, bon, comme d'hab. Ah oui, tiens, d'ailleurs, j'avais pas dit, je l'ai lâché. Hop. Voilà. On envoie du monde. Voilà, ils vont faire une erreur une fois, pas deux. Voilà. Vous avez voulu jouer au plus malin. Je suis pas sûr que vous allez y gagner grand chose à faire ça. Bon, eux, ils ont pas abandonné, dommage pour eux. Ça leur piquait le fiac, comme on dit chez nous. Voilà, ouf. Ouais, mais alors là. Rapide, efficace, quoi. Hop. On a l'imposition proportionnelle, yes. Que ça va mieux si je passe. Ah non, c'est vrai qu'il faut le temps que ça recalcule. Voilà, on va pouvoir passer en impôt moyen. Même en impôt bas. Voilà. Et on va voir si on peut passer en impôt faible, enfin en impôt très bas rapidement. Voilà, c'est le temps que ça calcule. Je sais que c'est chaque fois qu'on change de type d'impôt, d'imposition. Ça galère un petit peu pendant quelques temps au niveau des. Au niveau du solde, ça fait oui beaucoup, pas trop. Enfin, ils savent pas trop. Ouais. 18,8 en niveau de vie moyen. 18,8. Oh la vache. Minimum attendu. Ah les riches, ils attendent du 20,3. Ouf. Oh les salauds. Bon. Ça m'énerve par contre. Je peux rien ajouter forcément. Là, c'est bon. Ah ouais, c'est pas encore totalement conquis. Ah ouais, c'est pour ça que ça. C'est pour ça que ça galère un petit peu là. Au niveau des soutiens, ils sont encore un peu. Ils sont encore un peu la tête hors de l'eau. Ok. Pas pour longtemps. Hop là. Voilà, ils ont plus de territoire, là, si je me trompe pas. On va bientôt passer. Enfin, ils vont bientôt passer dans le négatif. En soutien. Dès que ce sera le cas, là, on va avoir une grosse baisse sur l'acceptation. Voilà. Enfin, une grosse montée plutôt. Une baisse dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'une baisse dans l'autre sens? Une montée. Qu'est-ce qu'une montée dans l'autre sens? Une baisse. Yes. Voilà. Bon, j'ai quelques soutiens. Bon, il devrait pas m'embêter longtemps. Hein. Ah, quand même, hein, ils tiennent les salauds. Pourcent par pourcent, ça baisse. Oh là là. Est-ce que je. Qu'est-ce que j'ai comme techno que je pourrais faire là pour accélérer tout ça? Parce que. Troupe d'assaut, formation de sous-officiers, lance-flamme, formation de méthode.
Son aviation. Oh. Ça m'intéresse pas. Peut-être augmenter pour ça. 3 ans. Ah mince. Ouais, j'ai frégate qui arrive. 6 à 10 mois. Ouais, ça va, c'est rapide. Et là, ça baissera énormément le temps de recherche de troupes d'assaut une fois que j'aurai frégate. Ok, ça c'est bon. On incorpore. Là, on est ouais, à 100, mais. Vache! Oh, mais ça gagne que dalle. Bon, elle est où leur ville? C'est pas ça là? Ah, je sais pas, moi, leur capitale. Hein. J'en ai aucune idée. Puis on peut pas voir en fait, c'est ça le pire. Ta capitale, ok, c'est celui-là. Donc. Désigné comme objectif stratégique, voilà. C'est long. On va y envoyer tout le reste. Hein. Hop là. On y envoie tout le monde là. J'y envoie combien? 800. 800 000? J'envoie 800 000 soldats. Plus que la population, quoi. Je leur envoie plus de soldats que de la population qu'ils ont, quoi, les pauvres. Au niveau des bâtiments, on est bien en solde. Est-ce que je rajouterai pas des bâtiments de construction? Parce que là, je vois que j'ai une liste d'attente qui est encore plus longue que prendre un rendez-vous à la CAF. Oui, c'est tout sous-mentionné ici. Donc c'est un peu gênant. Surtout qu'on a encore pas mal de sans-emploi. Bon, alors, je sais plus lequel c'est. C'est ça? Ouais. Si je fais ça, ça fait quoi? Oh yes, ça marche. Allez. Voilà, ça devrait être pas trop mal. Donc on construit en priorité des secteurs de construction. Qui vont bien booster bah, notre construction justement. Là, je me demande si j'en ai pas fait une centaine hein, en tout hein, déjà. Ça va jusqu'à la page. Ah. Ça n'a pas marché comme je voulais en fait. Pas du tout même. C'est pas ça que je veux. Halt. Ouais. Bon bah je reclique hein. Voilà, tous les secteurs de construction. Je pensais qu'en faisant Alt plus CTRL, oula oula oula, ça les mettrait tout en haut, mais apparemment non, ça marche pas comme ça. Voilà, tout est mis au moins sur le haut. Là, ils sont en train d'abandonner, proposer accord de paix. Voilà. Est-ce que j'ai besoin. Ah, ok. Est-ce que j'ai besoin de de refaire des actions d'état par contre? Ah. Ouais. Ok, suivant, suivant, suivant. Courtland. Là ça se fait, ouais c'est rapide. Là au niveau du solde on est remonté.
c'est parfait. Là, les ruraux, ils gagnent encore en puissance. Je comprends pas. Hein. J'ai du mal, hein, j'ai du mal. Oh mince. Je suis en train de penser à quelque chose. Les junkers. L'impression des junkers. Ils sont déjà bien, bien dans la mouise, sauf que je peux pas les chercher en dehors que je suppose de l'écran qui est ici. Je sais pas pourquoi. Donc on va cesser de réprimer. À la place, je vais essayer de les réprimer, mais je crois que je peux pas parce qu'ils sont au gouvernement. Ouais, ouais. Zut. Bon, bah je vais renforcer les élites intellectuelles à la place. Niveau de vie 19.3. Purée. Oh la vache. Oh la vache. Monarchie, République des conseils, est-ce que ça passerait? Non, non, on arrive à moins 21. Non mais c'est fou, moins 21 quoi. Les bourgeoisies sont à zéro, les junkers ils sont marginalisés donc on s'en fout. Les évêques ils sont marginalisés. Les évêques, l'église évangélique, les évêques, n'importe quoi. Je suppose qu'il faut que je fasse ça palier par palier, mais ouais, j'ai pas envie de pas aller faire palier par palier non plus quoi. Les 5-4 travailleurs ils sont bien contents, les élites intellectuelles ils sont bien contents aussi. Petite bourgeoisie. Il me saoule la petite bourgeoisie là. En fait, s'il n'y avait pas les 3 en dessous, ce serait bon, mais là. On est bien, on est multiculturalisme, c'est très bien ça. Ça n'a pas changé, on a galéré à. Est-ce que je ferais pas ça dans un premier temps déjà? 25% de motorisé. Motorisé, subventionner tous les bâtiments. Désactivation du fonds d'investissement. Ouf. Ouf. Ah, mais ça veut dire que. Ah. Saisis l'intégralité du fonds d'investissement pour le trésor et toute la construction privée est convertie en construction gouvernementale. Ah. Ah, ça. On va essayer, allez, on va essayer. Je sais pas si ça va passer, mais je veux essayer ça. Les industriels sont en colère, les ruraux sont malheureux, mais ça devrait aller. J'espère qu'il n'y aura pas de révolution. Bon, le solde, il a un peu du mal, mais ça, c'est pas très grave. En plus, dans le fonds d'investissement, on a 122 millions. Ah ouais. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Bon, c'est normal là qu'au niveau du solde on soit repassé un peu dans le négatif parce que j'ai fait une centaine de secteurs de construction. Ouais, ça doit être ça, hein, 4000 par secteur au niveau d'entretien. Donc. C'est pas déconnant. On est à 325 millions, 1,3 milliards de PIB, là il est bien remonté. Même si là ça a un peu du mal. Ça fait partie de l'Egypte, c'est pas grave, ça fera partie de mes territoires un jour ou l'autre. Dépendance à l'opium. Hein? Mais comment ça, j'ai pas de. Oh les couillons. Moi qui utilise pas d'opium, mais bah ils ont réussi à être dépendants à l'opium. C'est magnifique quand même. C'est pas grave. Voyons voir. Oui, du pétrole en frise. La frise, elle est par là. Voilà. Yes. Les gars, vous êtes encore tous bousculés à un même endroit, c'est pas comme ça que ça marche. Ah bah si, apparemment, c'est comme ça que ça marche. Et en tout cas, ils veulent plus abandonner, hein. Enfin, les petits pays, ils veulent plus abandonner. Les gros, en général, ça va.
313. Et il y a une bataille en cours que je peux pas voir. Je peux pas le voir parce que je suis sur cette cette interface. Ouais. Voilà, on est à moins 63%. Puis là, on va prendre les trois petits pays là. Enfin, petit, les trois pays. Comme ça, on aura un gros tas, j'ai envie de dire, unifié. C'est le cas de le dire, un gros tas unifié. Il y a un truc sympa aussi, il y avait le Transsibérien, je sais pas si... Ce serait bien de faire une voie ferrée quand même, dans chacun des états. Genre là... Ouais, ils veulent pas. Moi, je vais le forcer. Nouvelle. Hop. 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 Surtout qu'il y a, y a du péon hein, pour y travailler. Donc ah, ça je l'avais fait. Ça marchait? J'ai pas vu. Ici. Ouais, ça va. Ici. Ici. Et... Ah! Bah c'est pas à moi ça. C'est que c'est pas trop à moi ça en fait. C'est pas que je veux pas hein, mais... Bon. Hop, propose... Non! J'ai mal cliqué! Non! Non, je n'ai pas cliqué comme il fallait! Attends, bon, attendez, je vais m'autoriser la sauvegarde. La sauvegarde de tour, on est en 4 avril. Si j'en ai une le 1er avril, ça m'arrange. J'ai fait. Oui, c'est bon. Voilà, ça arrive, voilà à quoi servent les sauvegardes. C'est, j'ai fait un misclic. Totalement de ma faute. Je vais rattraper ma bêtise parce que... À part me faire perdre pas mal de temps... Ça aurait pas servi à grand chose. Eh ben dis donc, c'est long à charger ça, j'ai cliqué. Oui, voilà. Voilà, à vouloir aller trop vite, on fait des bêtises et on perd du temps. C'est pour ça qu'elle est... Bon, voilà. Et ne pas se précipiter. Peut-être un gain de temps. Ouais, je me disais, c'était bizarre, ils acceptaient déjà alors que le pourcentage était à peine bas. Je suis dur, peut-être que je reclique. Eh ben non. Oh non. Bon bah je vais devoir charger en mars. Ouais, 1er avril c'était déjà... c'était déjà signé. Je vais recharger mars. Aïe 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 aïe. Madre. Ah, ça chargeait plus rapidement là par contre, c'est agréable. Bon bah c'est reparti. Attends, oh non, me dis pas que toutes les voies ferrées que j'ai fait aussi partent dans le vent. Oh j'en sais rien. Ah bah si. Bon bah ça m'apprendra. Ouais c'est pas flemme. Oh attendez, j'avais pas vu ça. Des ruraux et des industriels. Bon, il y a une tentative.
On va voir. Pour l'instant, là, le mouvement, il monte que à 57, ce qui est correct. Attends, par contre, le nombre d'États qui fait sa sécession, c'est... Ouais, je voudrais bien voir en dessous, en fait, voir combien en font. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Pas le nombre exact, mais... Là, je vois déjà Autriche, Saxe, Vénétie, ouais, ça... Le problème, c'est les ruraux, quoi. Il me saoule, les ruraux. Cassez-vous, dégagez, je veux pas vous voir. Pchit. Je peux pas, là? Pourquoi là je peux pas? C'est quoi le délire? Ah, ça a joué vraiment différemment. La petite bourgeoisie est maintenant influente et était influente et maintenant marginalisée. C'est bien ça, c'est très bien. Petite bourgeoisie marginalisée. Les industriels, ce serait bien qu'ils soient moins forts aussi. Ok, là, je peux proposer un accord de paix. Voilà. Bon, du coup, l'Allemagne, c'est plus là. Ils veulent plus mettre le nom ici. Dommage. Allez, on va passer en dessous. Hop. Hop là, tac, voyons voir qu'est-ce que je peux rajouter. Ok, peut pas. Ouais, pour l'instant, elle est à 58%, ça a pas l'air de trop bouger. C'est compliqué, hein. Ah, ça c'est bien, ils sont barrés. Barrés, ce qui fait que je peux les réprimer. Je peux réprimer les héros qui sont barrés. Oh, trop bien! Tant que ça me baisse pas plus. Ah, je suis content là. Bon, c'est un peu la mouise, mais moins ils sont forts, mieux c'est. Ça se trouve, lui il se barrera aussi. Ce serait cool. Industriels, je pourrais les réprimer aussi. Maintenant que j'ai la petite bourgeoisie qui est. Pourquoi je peux pas voir les marginalisés? Ça, c'est en... ça c'est chiant. C'est 10 fois tu peux, 10 fois tu peux pas. Je sais pas trop comment ça fonctionne ce truc. Là, regardez, je peux pas voir les marginalisés. C'est un peu embêtant. Ils sont pas genre tout là-bas. Bah non, même pas. Donc. Comment je peux faire, hein? Je sais même pas moi. Ah si, il faudrait que j'aille donc genre culture population. Oh, le jeu ne meurs pas s'il te plaît. Je sais même pas où est-ce que je pourrais trouver ça moi. Genre si je vais là, voilà, petite bourgeoisie, c'était petite bourgeoisie. Je sais plus. On va essayer de réprimer la petite bourgeoisie, voilà. Et à la place, tac, on réprime. Voilà. Le solde, il remonte, il remonte petit à petit, voilà. Ils veulent vraiment pas abandonner encore. C'est pas vrai ça. On est à combien de temps ça? Le 8 août. Ok, un mois et quelques, un mois et demi.
c'est presque le même drapeau, c'est fou. Moi, avec mon problème de couleur, je vois pas de différence entre les deux drapeaux. S'il y en a un qui est noir, il y en a un qui est rouge. Par contre, ils font quoi, eux? Ah, si j'y tire. Mais non. Ah, furé. Déjà qu'ils s'occupent du Mexique, je sais pas qu'ils reprennent le Mexique. Oh, madre, madre. Ça n'a aucun sens. Il a tellement poussé le jeu à ses limites que ça n'a plus aucun sens sur certains points, quoi. Bon, abandonnez s'il vous plaît, les mecs, hein, c'est très bien, voilà. Oh non! Putain, soulève-moi tout. Ils sont incertains seulement, le purée. C'est possible qu'ils renoncent. Bon, il est où? Envoyez des gens là. Voilà, ça devrait suffire. Ok, là ça commence, très bien. Là on reste à 58, ça c'est bon. On va voir à quel point ça avance ou pas. Tiens d'ailleurs. Encore une technologie frégate, ça c'est bien. Oh, économie planifiée qui passe d'un coup. Et là du coup on a tout en construction gouvernementale, forcément. Ça c'est bien ça. Hop, on va incorporer quand même. Ça passe à 20%, hein. C'est vraiment de la chance. Hein. On a la diffusion des destroyers juste avant en plus, ça c'est parfait. Oui, on va voir qu'est-ce qu'ils veulent. Combattre les gâteaux. Oh, oui. Ah oui, mais si, ouais. Attends, c'est au bâtiment. Stack, hop, on va faire frégate. On va vérifier qu'au niveau des. Pénurie de radio. Prestige. Ah, c'est mieux. Évolution en plata, on fout. Oui, donc apparemment je fais pas de radio, c'est ça? C'est très possible. C'est vraiment très possible. Mince. Ouais, ça il me semble que je fallait. Enfin, ah, j'ai pas la techno radio. Ouais, bah oui. Ouais, effectivement. Ouais. Par contre, ça et ça, ouais. Bon, bah, on va peut-être repasser dans la techno d'avant, hein. Parce que si j'ai pas de radio, ça va être compliqué. Ouais. Pas de choix. 55, ça a baissé jusqu'à 51. Là, normalement, les radios, on est bien. Ouais. J'ai pas les radios. Ouais, c'est en train de se faire. 16 mois. Diffusion de technologie. Oh la vache. J'ai censure. J'ai encore la censure. Ouais, bah tu m'étonnes en même temps. On va la garder. Hein. Ok, là ça se passe comment? C'est où? C'est où? C'est là. Ça se passe. Révolution en Perse. Ah bon, ça? Ok. Ok, la capitale est là. Là, il n'y a plus personne, c'est parfait. Ok. On a la nouvelle techno, mais il me semble qu'il fallait que je parte sur radio avant. Bah, c'est vraiment pas ce que je voulais faire, mais... Ah, on peut mettre des technos dans la file d'attente? Attends, quoi? Comment on fait? Contrôle? Shift-click? Oh! Oh, mais j'avais pas ça, je connaissais pas du tout. Ah, il y a destroyer aussi, ouais, forcément. Mais non. Mais j'avais pas du tout. On peut en mettre qu'un. Non, ouais, non, mais je connaissais pas. C'est génial. Regardez, on va faire ça.
Hop, les deux là. Ah, mais c'est trop. Je connaissais pas. Je viens de découvrir des trucs. Je découvre des choses encore. C'est génial. Hop, et voilà, on va terminer l'arbre de production. Hop. Voilà. Ah, je connaissais pas du tout. Comme quoi. Ah oui, mais c'est vrai que de toute façon ça sert à rien que je l'accélère vu que là-bas. Là-bas c'est là. C'est la misère. Ouf. Attends, j'ai vraiment gagné tout ça en territoire d'un coup? Oh, sympa. Attends, mais c'est quoi ça? Pourquoi il y a des fleurs de lys? C'est qui? Qui c'est qui? Quoi? Ah, ils sont passés en... Ils sont partis en monarchie constitutionnelle. Ah, oh, j'avais pas vu. C'est qui ça? Marie d'Orléans. Ah, ok, d'accord. Ah, ils sont malins. Ah, des barres. Ah, j'avais pas vu du tout. Bon, ça, on peut quand même. On peut pas. On peut pas. Okay. Ça devrait pas tarder. Hein. Ah, mais j'avais pas du tout le vu. Quand j'ai vu les fleurs de lys, je me suis dit, attends, c'est quoi ce bazar? C'est pas normal. Enfin, les fleurs de lys, quand même, je... Eh bah ben, si. Eh bah ben, si. Hop là, voilà. Là, faut attendre la petite révolution, comme d'hab, blablabla. Non, c'est pas ça que je veux faire, ce sont les bâtiments. Pendant que ça continue, tranquillou. Industrie auto, ouais. Académie des arts, ouais, ouais. On fera un tour dans le marché quand même, parce que je sais pas s'il se casse la gueule ou pas. Tac, tac, tac. Hop, là, c'est bon. Attends, je vais sur mon millième camp de bûcheron. Oh la vache. Ah, c'est abusé, c'est génial. Marché. Là, c'est à peu près équilibré. Bon, là... Oh, la demande en pétrole, elle est... Et donc, on se croirait dans les temps modernes. Ok, heureusement j'en ai trouvé quelques-unes. Je vais voir si... non, là je peux pas. La révolution, elle baisse. Ouais, elle va baisser jusqu'à zéro, ça c'est cool. Là, c'est bientôt fini. On est droit à la colonisation, on peut continuer. On va continuer sur un dernier gros morceau, hein. Désolé. Mais quand il faut, mon ami. Hein. Disons que c'est pour avoir un territoire... voilà, c'est tout lié, tu vois. Genre un truc tout comme ça, en fait. C'est pas méchant. Ah, je suis encore sur des réserves d'or. Tiens, ouais, ça a tellement bien monté que... Je vais préparer des débarquements. La Circassie. Ils sont qu'une diplomatie? Faudrait que j'aille les chercher, tiens. Oui, vers le pétrole, ça c'est bien. On va remettre les syndicats de travailleurs, on va faire ça. Légitimité un petit peu plus grande et dans tous les cas je pourrais ça serait bien aussi. Ouah, de moins 20 à moins 40. Ah ouais, pour l'assurance maladie. Ah ouais, non. Bon, par contre assurance maladie, ils approuvent, l'église angélique approuve. Oh, là, non, ça non. Plus tard, beaucoup plus tard. Protection des droits des travailleurs.
Ah, les industriels, ils vont me détester. Oh, les industriels, ils sont marginalisés. Oh la vache! Oh, je leur ai foutu un coup dans... Ah ouais! Ah ouais, non mais attends, on va changer des trucs, là. Non. Non plus. Bon, on va tenter ça. On va voir si ça va changer quelque chose ou pas. Oh, mais j'avais pas vu! Ah, les industriels, ils ont pris, mais... Là, les ruraux, ils sont pas grand-chose. Petite bourgeoisie, remontez. Une petite bourgeoisie, vous allez redescendre vite. Voilà, réprimer. Comment ça se fait qu'ils soient... Ah, c'est leur richesse, ouais. C'est dû à leur richesse, en fait. 21,2 de richesse en moyenne, hein, les salauds. 21,7, les élites intellectuelles. Oh, bah putain. Les ruraux. 17,8, ok, les travailleurs. 20,7! Wouah, les syndicats de travailleurs, ils sont méga riches! Attends, ils sont plus riches que la petite bourgeoisie? Ah non. Mais ils sont pas loin! Wouah! 20,7! Ah bah les... Ouais, purée, tu m'étonnes, ça marche bien, là. Peut-être un peu trop, là. Non mais 20,7! Je reviens pas. Là déjà, rien que la moyenne, elle a 10... Le niveau de vie moyen est en 19,7. Et là, je vois les syndicats de travailleurs qui sont à 20,7 de niveau de vie moyen. Non mais attends, ils sont riches. 20,8, et ça augmente. Hein. Je te dis, hein, la petite bourgeoisie, bientôt, elle sera moins riche que les syndicats de travailleurs. Hein. Ça n'a pas de sens. Pourtant, les plus riches sont les élites intellectuelles. Ça m'étonne pas. Oh la vache. Solidarité, ça c'est bien. Ils veulent pas abandonner. Personne ne veut abandonner en ce moment, c'est chiant. Allez, vas-y, on va faire un double, on va ouvrir un double front ici. Mobilisation, personne, parfait, tac. Alors, sur la vanne, mobilisation, ça là, mobilisation, ah oui, ils sont pas mobilisés, ah bah allez, go. Voilà, double mobilisation, on est presque kiff-kiff en loyaux et loyalistes, pardon, et radicaux, voilà, on va finir là-dessus. On va finir sur la conquête, je sais pas si ça va prendre trop longtemps. Ils sont nombreux en vrai. Ils ont de bonnes défenses. Oh, on va passer sur une bévue là. Ouais, heureusement que je vais avoir un double débarquement. Parce que 25 jours, 24 jours, allez hop. Ah, j'ai le PIB qui se casse la tronche. Ok, ça c'est bien. Le solde est bon. Ah, le solde est bon, c'est normal, j'ai plus rien en construction, c'est quoi ce bazar? Est-ce que c'est à cause de la pénurie de pétrole que j'ai plus rien en construction? En vrai de vrai, c'est possible. Parce que j'ai énormément de choses qui se font à base de pétrole. Je vais voir si je peux en... C'est trop bien, il suffit de demander. Oui, bon, hé. Bah, tu montres où c'est la Valachie? Voilà, merci. Hop là. Ouais, bon, ça va être bon. Ouais, bon, c'est parfait. Peut-être l'électricité que je vais changer en moyen de production. Ouais, je suis sûr que ça me consomme énormément. Si je repasse en charbon. Ah, j'ai une consommation de pétrole qui sera tellement moins élevée si je repasse en charbon. Là, si je vais hausser là. Qu'est-ce qui m'en consomme en vrai? Tout.
Ouais, super. L'industrie automobile. Industrie automobile et centrale électrique qui me consomme comme il n'y a pas. Voyons voir. Ouais, c'est ça. Substitution de biens me ferait. J'aurais à peine plus d'ouvriers embauchés. Et je gagnerais tellement d'argent à faire ça. C'est ce que je vais faire. Hein. Je vais me baser sur le charbon encore un moment. Voilà, la consommation de charbon va être. Ça va être au cocasse là le charbon par contre. Mais rien qu'en faisant ça. Ouais, j'en produis clairement pas assez. Je vais faire pareil pour l'électricité. Oh, les fabriques d'outils, 1400! J'ai pas vu. Regardez-moi les niveaux de ce truc, fabrique d'outils, 1400 fabriques d'outils. Bientôt 900 verreries. Bon. Bon, toujours étant que là, j'ai beaucoup diminué ma consommation de pétrole, mais j'ai énormément augmenté ma consommation de charbon. Heureusement, apparemment, j'avais de l'export. Ah, c'est bientôt fini, c'est cool. Bon, là, comment ça avance ou ça avance pas, au choix. Voilà, ça avance. Hein. Alors, ça avance, sauf là où il faut, en fait. Si, c'est bon. Ça avance bien ici. Hop, évidemment, on va faire ça. Il y a une bataille qui se passe. Ouais, bon, là, ça devrait être pépère. Hein. Contre personne. Épuisement. Ah ouais. Ouf. Voilà, bon, ça devrait être tranquille. Là, on a un bon solde, on va baisser les impôts. Est-ce que je pourrais même augmenter? Ouais. Je peux même augmenter les salaires gouvernementaux. Sa petite bourgeoisie, elle est contente. Avant de se barrer, elle sera contente. Il y a les ruraux qui sont en colère. Ça me fume. Il n'y a plus. Il n'y a vraiment plus les industriels, quoi. Oh, j'adore. Oui, non, j'ai une loi qui est en train de passer, donc je peux pas encore faire la République des conseils. Mais je m'en fous, j'ai l'économie planifiée. Là, c'est bien, on a quelques constructions, mais pas trop non plus. En file d'attente. On est équilibré, là. Et là, ça fait quoi comme. Des voies ferrées, des centrales. Ah, je vais regarder un peu ce que ça fait, plateforme pétrolière, moi. Non. Du fer, des outils. Ouais, c'est très mixte. Ok, les constructions sont très très mixtes, c'est bien. C'est-à-dire que pour lui, là, le marché est plus ou moins équilibré. Nonobstant le pétrole. Nonobstant, pardon, le pétrole. Ouais. Ouais. Au niveau équilibre, j'ai vu mieux. Hein. Ah oui, mais non, mais c'est normal, j'ai changé le type de fabrication. Ok. Non, non, ça me va, ça me va. En Dalmatie, en Dalmatie. Ah, je vais refaire 40 hein, par contre. Là, on a un bonus de production, faut pas oublier. Hein. 15%, un truc comme ça. Grâce aux chutes de Krka. Et ça manque de voyelles. J'ai du mal à prononcer ce qui manque de voyelles. Krka. Oups, j'ai vu quelque chose, mais qui est passé très vite. Ok, ça devrait être bientôt bon. Moins 24. D'ici 2 semaines. Je suppose. Moins 17. Ah, oh, peut-être un peu plus. Oh, yes. J'en demandais. Si, j'en demandais autant. Clairement. Toujours plus. Ouais, 2. Bon, Moi, bah allez, tout ce qui est pris n'est plus à prendre, voilà. Ne soyons pas radins. Ne soyons pas mécontents d'en avoir un peu. C'est toujours mieux que ne pas en avoir du tout. Enfin, quand c'est bien. Quand
c'est pas bien, mieux vaut ne pas en avoir du tout qu'en en avoir un peu. On va se mettre en place de courtes grèves, des périodes de... Attends. Les travailleurs organisés par les syndicats de travailleurs mettent en place de courtes grèves et de périodes de grève de zèle afin de faire pression sur le gouvernement qui adopte la loi. Non. On a garanti et si on désamorçait la situation. Ouais, non. Moins 33. Non, 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 non. Ça va pas passer la loi toute seule, c'est bon. Pas besoin de faire grève, les mecs. Allez, on propose l'accord de paix. Et voilà. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique. Franchement. Allez, on va. Hop. Tac. Tac. Tac, 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 tac. Voilà, on va incorporer les états, bien évidemment. Voilà, on a un gros truc, un gros pâté qui est plutôt bien uni. Ça, c'est cool. Va falloir se trouver d'autres cibles. Hein. Alors moi, je sais pas, je vais juste voir les pays un par un. Je vais mettre tout dans l'embargo, déclarer la rivalité, financer... Brésil. Espagne, ouais. Mais c'est fou! Comment ça déclarer l'indépendance? Bon, on va accorder l'indépendance à Pérou-Bolivie. En fait, ce sont des... Je sais pas pourquoi, ce sont des pays fantoches. Et à part m'embêter, ça fait pas grand chose. Allez, prochaine cible. Quand même. Pourquoi je peux pas les prendre? Je peux pas? En faire un fantoche? Pourquoi je peux pas en faire un fantoche? On va faire un pays fantoche. Ah, on a une relation agréable, zut. Bon, les deux grands, on va les dégrader. Je pourrais partir sur l'Empire Ottoman et l'Egypte, qui ont de beaux territoires. Ou alors les pays du Nord, ici, ouais. Peut-être les annexer. Ouais. On verra ça au prochain épisode. Voilà, je vous laisse sur cette belle image. Voilà, j'espère que cet épisode un peu plus long que d'habitude vous aura plu. On se retrouve, c'est l'épisode de quand ça, jeudi. On se retrouve vendredi pour le prochain, demain pour le prochain épisode. Voilà, je vous dis à très bientôt, c'était Thiam. Ciao.